matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 31 janvier 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé soutien. Soutien, arrivez-vous, pour certains d'entre vous, à demander de l'aide. C'est pas facile, n'est-ce pas, quand on a l'habitude de faire toujours tout soi-même. C'est pas facile, je vous l'accorde. Arrivez-vous à demander de l'aide, ou préférez-vous ne pas en recevoir afin de ne pas être redevable ou de ne pas montrer votre vulnérabilité? Eh bien, rappelez-vous, vous êtes un être divin et vous ne faites qu'un avec l'univers. Même si votre esprit a du mal à y croire et a parfois l'impression d'être séparé des autres. Or, eh bien, votre âme a ce lien divin avec le grand tout, n'est-ce pas? En vous rapprochant de votre âme, eh bien, vous ressentez cette unité en vous. En osant donner et recevoir, eh bien, vous dites oui. Oui, oui à la vie et à votre âme. Vous échangez avec l'univers. Vous transmettez et vous recevez des autres. Fluidifiez ce lien avec l'univers pour dire un grand oui à votre expérience de vie sur terre ici et recevoir, eh bien, tous ces beaux cadeaux de l'univers. Alors aujourd'hui dans l'action, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à vous de jouer. Osez demander de l'aide à l'un de vos proches, à une personne de votre entourage, à un guide spirituel, à votre ange gardien, à votre âme ou à vos guides. Formulez-lui simplement à voix haute « Aide-moi à ». Aide-moi à, par exemple, à être plus dans la démonstration, aide-moi à avoir un travail. Ou alors, peux-tu m'aider à exaucer mes vœux? Peux-tu m'aider à avoir un travail? Peux-tu m'aider à ce que je trouve une maison, un logement? Osez demander. Osez. Alors, plus votre question sera claire et précise, eh bien, plus votre demande aura des chances d'être comprise et acceptée. Rappelez-vous, il s'agit d'une demande et non d'une exigence, n'est-ce pas? Acceptez que l'on vous dise non éventuellement. Mais vous savez, lorsque vous sollicitez, vos guides, vos proches, vos anges, eh bien, ils vont venir, ils vont vous aider. Si vous ne sollicitez pas, il n'y a personne qui va venir. Sollicitez un parent, un ami à vous aider,
si vous ne le faites pas, il ne viendra pas à vous. Et c'est comme les anges, comme les guides. Si vous ne les sollicitez pas, ils ne vont pas venir à vous. Donc, prenez la décision de demander. C'est important. Le mantra d'aujourd'hui, je peux demander de l'aide pour honorer la vie. Je peux demander de l'aide pour honorer la vie. Je peux demander de l'aide pour honorer la vie. Très beau message. Je termine avec l'oracle des amoureux et aujourd'hui j'ai pigé. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Voilà le message de l'oracle des amoureux. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.